Salut à toutes et à tous, c'est Timur. On se retrouve sur 7 Days to Die pour un baptême du feu, puisqu'aujourd'hui, la forteresse du dragon va affronter sa première horde. Mais est-elle prête? Rien n'est moins sûr, d'autant qu'elle est gigantesque et qu'elle peut voir apparaître certains zombies au milieu de sa cour. Et alors là, ça va devenir très très compliqué. J'y ai un petit peu réfléchi, j'ai commencé à essayer de résoudre le problème, on va voir. Hein. On va voir ce qui va se passer. Là, je dois fabriquer de la pierre. De la pierre détruite comme ça. Bon, je vais en faire un peu, on va voir. Je ferai peut-être pas les 300 et quelques. On va descendre et je vais vous montrer la petite solution que j'ai inventée pour résoudre le problème des aides qui arriveraient éventuellement dans cette cour. Je sais pas s'ils vont le faire, mais s'ils le font... Voilà, j'ai prévu ça. Alors, j'ai fait un creux. Moi, je suis plus trop accessible, du coup, puisqu'il y a une hauteur suffisante pour qu'ils ne m'atteignent pas. Encore que s'ils font la courte échelle, on sait jamais. Et puis, j'espère, grâce à ces trous, qu'ils vont avoir la bonne idée de les emprunter et de descendre dans le précipice pour ensuite passer par la bonne voie. Ça serait cool. Mais pas sûr qu'ils le fassent, hein. Franchement... Je suis dubitatif, on verra bien. Déjà, on verra s'ils apparaissent à cet endroit. Mais on va utiliser aussi ça, parce que bientôt, on ne pourra plus passer par la rampe. Elle va être refermée. Donc, je vais mettre des échelles à ces endroits. Comme ça, je vais les renforcer. C'est pas mal. On vise un point capital actuellement. Je vous montre. Je suis en courage 9 et il me manque un seul point pour être à 10. Et après, on pourra débloquer, mettre en arts martiaux. Alors ça sera cool. Ici. Ah bah ici, il y a des dégâts. Il n'y a pas eu de horde, hein, pourtant. Bon, ça se fait. Ça, c'est les crieuses. J'ai tout le temps des crieuses, hein, maintenant. Très, très régulièrement. Donc, bah j'ai bien renforcé, comme vous pouvez voir. Il y a encore du taf, hein, bien sûr. On va le faire petit à petit. Aujourd'hui, on va essayer d'en faire un petit peu. Et puis surtout, j'ai des cubes perchés de chaque côté pour mettre une petite sécurité supplémentaire avec des poteaux. Mais alors, j'en mets pas beaucoup. En réalité, j'en mets seulement deux. Ça fera une ligne. Comme ça, si vraiment ça ne va pas, on considérera que c'est pas la forteresse pour les hordes et qu'on ira la mettre un petit peu plus loin. Et que c'est simplement une forteresse pour vivre. Voilà. Petite solution de repli si jamais vraiment c'est la grosse cata, parce que j'ai pas envie qu'elle soit détruite, ma forteresse. Vu le temps que j'y ai passé, j'ai envie qu'elle fonctionne. Je vais mettre ça, ravitailler. Je vais pouvoir brancher sans problème d'ici. Toc. Et comme ça, je pense qu'on pourra aussi réparer du coup. Ensuite, bah on va se faire un petit barrage. Alors je vais reprendre le système que j'avais mis dans la base anti-horde qui est là-bas un peu plus loin. Celle qu'on a utilisée jusque-là. Donc j'avais mis ça. Et ça empêchait les aides de marcher à quatre pattes et de passer quoi à quatre pattes. C'était très bien. Et je pense que, voilà, je suis pas gêné. Pouvoir taper sans problème. Ensuite, on va se placer ici un petit poteau. Donc il faut trouver le bon, je pense que c'est celui-là, et le tourner surtout dans le bon sens. Et comme ça, il sera très bien. Et comme ça, en même temps, on en met un deuxième là. Ça, c'est la protection. Et puis ce deuxième qui est là... Bon, malheureusement, ça défigure un petit peu le dentier de mon dragon. Mais je vais faire ça pour que ça évite de courir là-dessus. Parce que j'ai pas de certitude. Et puis je vais lui mettre en plus là au-dessus une petite corne supplémentaire. Est-ce que tu vas tourner? Non, tu ne vas pas tourner, il faut refaire la même manip.
Voilà, très bien. Comme ça, ils ne sauteront pas dessus. Ils ne courront pas là-dessus, je l'espère. Il y a peu de chance. Et ça reste dans le ton. Ouais, il y a seulement cette petite barre là. Dommage. Ça fait pas terrible. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors ensuite, je vais dépenser un petit peu de l'acier que j'ai sur moi. Notamment pour les rampes qui sont ici. Et après, pour le dragon en lui-même, le haut n'est pas renforcé. Et comme ça, ça me permet de prendre quelques points supplémentaires au niveau de l'XP. Bon, c'est déjà bien haut, mais là, les points sont pour à prendre. On va dire que ça, c'est bien. Ici, c'est pas mal aussi. Alors apparemment, ça vient souvent taper dans le coin. Et ouais. Je vais descendre ce côté-là jusqu'en bas. C'est fou le nombre de dégâts qu'il y a. Incroyable hein, quand même. Ça c'est vraiment... C'est satané crieuse. Quand elle nous ramène des aides. Parce qu'elle ramène quand même des aides postaux. Il y a pas mal de fluo souvent. Donc ça doit jouer hein, j'imagine. C'est eux qui me font du dégât ensuite. Je vais faire ça. Comme ceci. Je vais pas trop m'attarder pour l'instant à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une crieuse qui vient de pop. Parce qu'il y a eu un petit lag. Bon voilà, c'est pas mal. Là, globalement, je suis prêt. Hein. C'est vraiment défense pas chère. La base est chère, mais la défense, elle, ne l'est pas. Ah, attends. Est-ce que t'as remis de l'essence? J'ai déjà un doute. Par contre, il faut aussi une trappe. Donc, je vais la fabriquer. J'ai enlevé ça pour le moment. Ça ne s'est pas fabriqué du tout. Ouais, j'avais dit aussi que je voulais faire le haut, quand même. Alors, après, pourquoi pas aller se faire une petite mission. Ça pourrait changer les idées avant d'avoir la grosse horde. Là, je vais me faire un passage aussi. Nickel. Et puis, on monte de ce côté-là. Et c'est parfait aussi. Pour l'instant, tout va bien. Si je veux sauter pour aller là-haut, ça va, il n'y a pas de souci. Oh, par contre, c'est abîmé encore là. C'est incroyable. Il se passe des trucs que je ne comprends pas et que je ne vois pas surtout. Bon, et puis là, je vais tout renforcer, la totalité du dragon. Comme ça, on sera bien. Ok, super. Je vais aller voir sur les... Pour l'instant, ici, sinon, ça va. Pas de problème. On va regarder de la muraille. Ah non, raté. Attends. Tu t'es cogné là-dessus, peut-être. Ouais, il y avait les côtés là. Comme ça, c'est fait. Hop. Pareil, j'ai pas envie de tomber, hein. Là, je pense qu'on est bon. Il est 10h32. Ça va. Je suis en train de fabriquer ça. J'en ai 200 et quelques. C'est pas mal. Je vais me faire un petit coffre en dessous. On va poser des éléments. Faudra en ramener d'autres pour pouvoir notamment réparer les poteaux. On va essayer d'aller se mettre ça assez haut. On va laisser faire la trappe. Et puis je vais relancer ça derrière, comme ça. Ma trappe, je vais la mettre là. Pas de soucis. Ensuite, je vais peut-être un peu la renforcer. Ah mais j'ai pas de fer.
Là, je vais mettre le coffre. Et dans le coffre, on va mettre déjà un peu d'acier pour la suite. Je vais poser ce truc-là aussi, pour l'instant. Maintenant, on peut plus sortir par là. On avait bien ravitaillé. Ça va, tout fonctionne. Donc, déjà, c'est parfait, il y a moins de stress. Peut-être qu'il faudra ramener un peu d'acier. Un petit peu en plus. Où elle est. Ah bah t'es juste là, dis donc. On t'a complètement foiré. Attends. Je vais virer tous ces trucs là hein, aussi. Ah oui. Petite chose. J'avais pas vidé ça. Ça je peux le laisser parce que je vais le vendre. Et puis rien. On videra aussi par la suite. Ouf ! J'ai failli rater. C'était tendu. On va en profiter, tiens. Pour ne pas mettre ça, puisqu'il n'y a pas la place, je vais le mettre là en attendant. On verra après. Il y avait des choses type compo à vider. C'est good. Faudrait que je regarde ce que je peux aller vendre, hein, du coup. Ça serait pas mal de faire ça. Voilà, on va vendre tout ça. En espérant qu'il nous fasse un bon prix. Alors dedans, sinon il restait 2-3 petits trucs. Ouais, 3. Tant pis, on va garder ces deux-là. Midi. Ça va, on a le temps. On a le temps, c'est très bien. On vient d'entendre un drop en plus. Hop. Je vais te prendre ça et pourquoi pas des balles. Pourquoi pas. Dans tes missions, tu vas me donner un truc pas trop loin, par exemple celle-là. Et puis surtout, moi, je vais venir te vendre pas mal de choses. Une vente bien utile qui m'a permis de récupérer un point. Génial. Qu'est-ce qu'il avait sinon? Ok, pas très intéressant. Toujours pas intéressant. Et rien du tout, quoi. Il avait vraiment que dalle. Thanks, buddy. Ouais, donc j'ai ça à placer maintenant. Je vais peut-être arrêter d'en faire, tout simplement. Débarrasser des pierres, parce que j'en ai beaucoup trop. Ah, faut refaire le plein. On va poser les pierres et on est parti. Et au passage, on pourrait se récupérer le drop. Ah, il est dans l'autre sens. Bah, j'irai après la horde, du coup. Là, simplement... Faut que je rebouche un peu ce gros trou. Parce que ce que j'ai peur, c'est que les Z spawnent dedans pendant la horde et fassent un tunnel. Ça serait embêtant. Donc pour s'éviter ça, on va au moins remplir le fond. Et je pense que ça sera beaucoup mieux. Ils pourront sortir. Voilà, on leur a fait le truc pour qu'ils puissent sortir sans souci. Alors j'entends une crieuse dans le coin. Depuis tout à l'heure, elle est là-bas. Ok. Là on est bon. On va y aller. On va aller faire ce POI. Parce qu'il est déjà quand même un petit peu tard. Donc il faut se dépêcher. Direction par là, 1 km et quelques. Oula!
Ah ouais, carrément. D'accord, une grosse base militaire. Ça c'est bon et ça c'est presque bon. Hop, je viens de voir une poule passer à travers le sol. Attention, il y a des mines ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, tu vas sûrement marcher dessus. Voilà. Oh merde! Ouf, gros biker. Ah, t'as fait semblant là. J'ai pas eu les points. Hein. Merci. Hop. Ça commence fort. Hein. Je pense que je ne vais pas looter. Par contre, il serait peut-être utile de porter ces lunettes là. Et de prendre ce fameux point. Allez, on se dépêche. Je vais regarder si c'est par là. Ça a pas l'air. Marrant, je ne connais pas très bien ce POI, je dois l'avouer. Oh bah il y a une porte. C'est tout bête. Eh bah let's go. On descend. Ça a l'air très très dangereux. Ouh là là. Vous le sentez le piège? Bien sûr qu'on le sent. Allez bouge! Et toi Big Mama? Qu'est-ce que tu dis? Ça c'est du costaud. Ah, je pense que je vais devoir revenir pour looter, je m'attendais pas à un big truc comme ça. Ça a l'air top. On verra si on a le temps ensuite. Oui. Oh, par contre ce petit admin, pourquoi pas? Ouais, c'est toujours ça de prix. Hein. Ouais. Piège se referme sur lui. Pas encore ici. Ah oui, on t'a vu. T'es condamné. C'est verrouillé. J'observe pour voir s'il y a des trucs à tourner, on sait jamais. On loot 2-3 trucs au passage. Hein? Ah ouais, d'accord. Y'a pas de bouton là. Vaut mieux être sûr, hein. Poursuite de la balade. C'est verrouillé, mais là, on peut passer. Ouh. Ça va, c'est personne. Bon, tant pis pour les lunettes. Hein. Et par contre, ta hache, tu l'as. Hop. Ouais, peut-être pas. Je pense qu'on descend encore. Ou qu'on contourne, en tout cas. Ça, c'est ouvert. C'est ça, c'est ça. Je savais plus quoi dire, tellement j'avais pas la bonne arme. Bon, a priori, c'est par ici. Un peu. Ou pas du tout. Non, pas du tout. Donc, c'est l'échelle. Ah ouais? Verrouillé. Oula. Ah non, ça va.
c'est un pur labyrinthe. Ouais, super. Il y avait un piège. Mais heureusement, tout se passe pour le mieux. Voilà. Bon, j'espère que j'en ai pas loupé en route. Des aides. Je regarde s'il n'y a pas une échelle pour remonter. Bon, je pense pas quand même. Ça serait pas de chance. Allez, 17h, ça va. Ah, pourquoi j'ai cette arme, bordel? Vas-y, fais-moi saigner. Ah, ce malchanceux de service. On arrive ici. Je pense que tout se déroule à peu près bien quand même. Bon, c'est vrai que j'ai le stress de la horde en plus de cette mission, du coup. C'est pas évident. Personne. La chambrée, il y a quelqu'un là-dedans. Bah ouais. C'était sûr. Là, c'était sûr. Là, il est à côté. Merde. Ah, te voilà. Sors de ta cachette. Ouf. Je vais te faire tomber, toi. Ça fait plaisir de casser des têtes comme ça, la vache. On est bon. Il y a du loot à faire, hein, ici. Faut absolument que je revienne, là. Je dis tout le temps que je reviens et je reviens jamais. Mais là, c'est promis, je reviens. Attendez, parce que là, je sens que ça peut puer sévèrement. Ah, c'est par là. Est-ce que c'est la fin? Courons. On voit pas de points apparaître où il y a des explosions dehors. Ah, et toi? Comment tu me touches? Enfoiré. Il m'a fait mal. Tiens, au passage, on va faire ça. On va commencer à entendre les éclairs. Donc, double stress. Oïs, saute. Tu arrives là. Est-ce le moment d'intense vérité? Encore un trou par là. Mais c'est quoi ce POI? Il fallait que ce soit un labyrinthe. Oui, oui, oui. Ok. Ok. Attention. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce qu'on doit aller? Dans ce tunnel. Je pense que c'est un mauvais plan d'être venu là. Un très mauvais plan. Déjà, je loot rien du coup, donc c'est pas cool. Mais d'autre part, ça me paraît très long, immense. Un type au sol. Encore un biker. Oh, j'ai eu mal. Oh, oh, oh. Enfoiré.
presque 19h. Ah, c'est quoi cet endroit de la mort? On le sent que la horde va se passer là. Plus ça lag. Dépêchons-nous de générer ce qui a généré. Sortez de vos cachettes. Ouais, ça lag un max là. Allez, venez, approchez. J'espère que c'est les derniers, il y en a beaucoup, donc c'est bien possible. Ah non, mais je bloque là. Il y a quelque chose ici qui provoque de sacrés ralentissements. Monsieur, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces blocages? Et on n'a pas fini. D'accord. Ok. Et je vais avoir du mal à terminer, hein. Là, c'est 3 FPS que j'ai. On attend les éclairs. Oh là 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 là, c'est chaud. Moi j'ai encore un peu de temps, faut pas paniquer. Il y a des bugs de son. C'est bizarre. Allez. Dernière étape. Non. Alors c'est par là. Non, j'ai pas eu la bonne idée de venir. Il doit y avoir un de ces mondes pour que ça bug comme ça. C'est trop chelou. Eh ouais, c'est ça. Rempli de militaires. Ah, ça va mieux. Ça débug un petit peu. On a fini. On a fini, on a fini. C'est là-bas la maison. On va faire un trou. Ouais, là-dedans, ça va plus vite. On va faire attention, il y a des mines. Il est fait très bien ce POI. Très bien, mais par contre, vraiment chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle joue pour qu'il rentre. Sérieux? C'est quoi ce délire? C'est ça, essayer de vous faire exploser joyeusement, ça me fait plaisir. On fait ça. Hop, parce qu'on va quand même prendre ce qu'il y a ici. Non, pourquoi tu récupères cette merde? T'as 2 heures. Ça devrait aller quand même. Regardez-moi ce qu'il y a là-dedans. C'est merveilleux. Hey! Mais... Mais oh! Mais je te touche pas là! Bon, je me casse, tant pis, je refouillerai plus tard. Là, je suis à la bourre et ça m'anime. Je sais pas, ça relag de la mort. Et j'ai du mal à toucher, du coup. Oh la vache. C'était chaud. Hop là. Cassons-nous d'ici et j'espère que ça va changer quelque chose à mon problème, là. C'est trop bizarre. Sinon, je quitte le jeu et je reviens avant la horde parce que c'est pas possible.
Ok, j'arrive sur place. Ça a été une grosse galère de revenir. Là, c'est un tout petit peu plus fluide, mais je vais quand même quitter, tant pis. C'est pas possible. Là, le retour, mais j'arrêtais pas de me cogner partout. Impossible de manœuvrer la moto. Une vraie purge. Ici. Hop. Je vais mettre des trucs dedans, tant pis. Pour le moment. Et je vais aller en chercher d'autres. On se dépêche. En tant qu'une crieuse est encore là. Ok, allez. Ça va, j'ai le temps. J'ai le temps. Est-ce que t'es en bas? Oui. Ah, t'es pas morte. Voilà. Alors, cassé. Vite, dépêche-toi. C'est pas le moment de se casser une patte. On est ok pour ça. On a le temps, mais pas trop. Munition. Je vais prendre ça. Et un petit peu de balles de tourelle en plus. Des bières. Et elles sont pas là, bien sûr. Elles sont juste en dessous. Hop. Donc j'ai la tourelle, j'ai de quoi tirer. Il fallait réparer possiblement. Hop, et on va se contenter de ça. T'as le truc pour réparer? Ouais, tu l'as. Vas-y, descends, s'il te plaît. Ah, j'ai pas quitté toujours. Je vais quitter avant. Je le fais parce que sinon, à mon avis, ça va pas bien fonctionner. C'était trop tendu. Donc hop, je me mets là. J'ai rien oublié, hein, de toute façon. Bon, je suis chez moi en plus. Donc ça passe très bien. Tiens, avant de commencer, on va faire comme ça. Ah bah c'est plus rechargé, putain. Mais allez, arrête. Voilà. Il reste 10 minutes, je quitte maintenant et je reviens. Ok, me revoilà. Vérification. Ça a l'air d'aller. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas pris ça. Ouais, j'en ai pas pris beaucoup. T'as pas un petit peu soif, dis-moi? Et même faim, d'ailleurs. Bon, de toute façon, t'as pas le choix. Tu devras faire avec. On va la mettre plus proche. On va se boire une bière. Et c'est parti. On croise les doigts. Ouh, c'est bien. On va faire un carnage. Je le sens. Aïe, on prend des coups. Crève, saleté. Hey, j'ai reçu un truc. Ah, je reçois les crachats. Ouais, ça c'était prévisible. Aïe, saoule lui. Le rampant là. Ils n'arrivent pas à passer, mais ils bloquent comme ça. Ah, ils me font mal du coup. Eh. Reçois des coups d'eux là. Ah, ça c'est un mauvais plan. Regardez ce qui se passe. C'est quoi? Ah, ça passe. Mais j'en prends plein la gueule là. Ouais, ça va pas fort. De la bizarrerie. Ils nous font des trucs zarbis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ok. Soigne-toi un peu. Oh, c'était chelou. Mais pourquoi tu passes? Ça devrait pas être possible. Je suis en panique. Ah, ils sont trop dans cette position, c'est pas bon.
Oh là là. Faut que je change le système, il va pas. Il se baisse. En fait, dès que je m'approche, il passe. Regardez comment ils font. Ça va être problématique là. Faudra que je change ce truc, ça va pas. J'aurais pas assez de balles en plus. Je vais avoir besoin de toi. Voilà, on va faire comme ça. Ça a explosé, c'est pas grave, on s'en fout parce que là ça déconne à fond. Est-ce que je peux me soigner? Non, c'est pas utile. Ça s'écroule. C'est déjà écroulement, j'ai l'impression. Ah, je m'en doutais que les dents ça serait chiant de toute façon. Allez, crève! Purée, tu saoules! Ok, faut que je répare. Ah, les dents du dragon, elles me trahissent. Voilà, ça c'est bien. Ah, mais ces sauts qu'ils font. On est qu'à 23h45. Et il y a déjà un truc détruit. On va miser plus sur les balles. Je peux pas me mettre prêt. Il faut que je trouve une solution là pour pas que ça passe comme ça là en... En mode à quatre pattes, c'est impossible ça. Si, regardez, ça saute dans le trou là. Je me re-soigne. Je te recharge, toi. Ah, il va y avoir du dégât. Ok. Un autre moyen pour pas qu'ils fassent leur petit truc en mode à quatre pattes, c'est clair et net. En plus, il y a tout là, il y a les démolisseurs. Hop, ouh, vas-y, va péter en dessous. C'est ça, bye. Oh, c'était le jeu, hein. Ça allait être compliqué, je le savais, mais alors. C'est surtout ça qui est chiant, le reste ça va sinon. Faut se débarrasser des aides en mode Gollum, juste. Oh, tiens. Ce que je vais faire aussi là, c'est que... Je vais te préparer, parce que toi, t'es ma sauvegarde. Ah, j'aime pas le pompe parce que je peux pas mettre beaucoup de balles dedans. Par contre, il est bien puissant. Vite, vite, vite.
Allez, faut réparer ça, on voit que ça va céder. Voilà. Allez, ça a l'air de se tasser un petit peu quand même pour moi. Oh, t'es passé, hein, enfoiré. Voilà, j'ai fait un bon petit nettoyage. Attention, il y en a un qui va passer. Nickel. Bon, de toute façon, hein, ça risque de céder là. Je me prépare à me barrer. Que c'est chaud. Dès que j'approche, je peux pas en fait. C'est ça le gros maillon faible. Vous approchez, vous êtes foutu. Hop, je répare tout ce que je peux un peu. Mon truc, répare-toi. Ça, faut que je m'en débarrasse absolument. Y'a pas photo. Regardez-moi ça, ce que c'est. Ce truc bizarre. Ah, j'ai plus de balles. Merde. On est mal. Pas grave. On fait comme ça. C'est ça, dégage. Dégage de ma base. Fais des têtes. C'est marrant parce que j'ai l'impression que comme ils ont cassé quelque chose, ils ont plus de mal à rentrer. C'est une horde terrible. Ça rentre plus là. Fallait le dire. Fallait le dire pour que ça rentre. T'es mort ? Oh purée, je peux pas réparer quoi. Je peux pas approcher.
me concentre. Je me concentre. Bon. Oh, c'est chaud. C'est chaud et c'est pas terminé. Ils vont rentrer, je pense, parce que j'ai pas de quoi me soigner. Vite, il faut que j'aille me soigner. Je suis trop faible. Ça t'a. Voilà. Tu as besoin d'un soin immédiat et tu vas prendre celui-là vite. Et puis tu vas t'enlever cette saloperie là. Et tu vas récupérer des mines comme ça. Allez, c'est reparti. Saloperie. Hop là. C'est chaud, hein. Sacré horde. Avec ces horribles vautours. Il y en a un qui est rentré, là. Je lag de ouf. Bon bah il y a plein de trucs à revoir. Mais bon, globalement pour l'instant je suis pas mort. J'ai même le temps de réparer. C'est pas beau ça? Oh, ils ont fait du trou. Oh, je pense que je vais la mettre ailleurs, ma base. Ma base entière, c'est pas possible. Je vais voir déjà les dégâts qu'ils m'ont fait. Oh, c'est tellement chaud. Alors, les lags, moi, là, ça me saoule. Qu'est-ce que tu fous? Ils font un petit saut, un truc zarbi avec la disposition des plots là, tel que je les ai mis. J'avoue que j'ai rarement vu ça. Yeah! Allez, ça fait tout péter. Ça a tenu. Meurs, abomination. Alors j'ai pas du tout pu faire de cac.
J'ai une semaine, 7 jours pour changer ça, pour revoir les choses. Là, j'ai tellement usé de balles en plus. Allez les gars, vous n'avez pas pu le faire. C'est ça. Allez, on finit un peu au cac. Je m'étonne que j'ai une petite faim après ça. Ah, ça s'est joué vraiment à 3 fois rien. Qu'est-ce qu'il y avait comme fluo aussi? Et ça là, c'est pas possible quoi, quand ils se mettent à faire du Gollum là. Elle, elle va le faire aussi. Ça se met là et puis ça arrive à passer. Ah bah on a pas fini dis donc. Allez, viens là ma petite. Une nouvelle fournée. Ah, puis il y en a une autre. Ouh, c'était tendu. Et là, je peux prendre ça. Je suis bagarreur spécialiste des arts martiaux. Ça va chier. Bon, bah ça restera une entrée, simplement. Avec une mitrailleuse pour que les crieuses viennent se faire dégommer. Et on va mettre la base anti-war d'ailleurs pour moi. Ça ne fonctionne pas. Mais ça restera comme ça beau. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir virer l'espèce de dentier que j'avais mis et conserver l'ossature du dragon. Voilà, elle aura testé une fois la horde. Et c'est pas pour elle. On t'arrête d'appeler, ramène-toi là, tu viens? Allez, dépêche. Bah ouais, t'abuses quand même. Tiens, regarde. Prends-toi ça dans la tête. Et il va être temps... Hop, de porter ça pour ouvrir... Et voir ce qu'on a gagné. On va regarder les dégâts en dessous, hein, quand même. Ça, donc, je le viens. Désactiver. Hop. Qu'est-ce que c'était chaud! Mais ça va, il n'y a pas eu de destruction, a priori. Ah oui, je peux descendre, là. Hop. Allons-y. Oh. Sympa. Déjà, on prend tout ça. Oh! C'est ça qui commençait à faire alors. Ils respectent vraiment rien. Les salauds. Ils ont détruit ma base. Ah, regardez ce trou! Ah oui, donc ça c'était l'endroit où j'avais fait moi. Bah oui. J'avais fait une sorte de tunnel moi en dessous là. Ouh. Impressionnant. Moi je rebâtirai ça, c'est pas grave, ça coûte rien. Mais donc oui, par contre, la prochaine fois on aura une base anti-horde d'ailleurs, donc va falloir dans les épisodes suivants réfléchir où on va poser ça. Hein. Bon, en attendant, je vais mettre peut-être un petit coffre ici pour poser tous les trucs. Sinon on va pas s'en sortir. Ah, c'était franchement cata, hein. La vache. Ok, et puis j'ai des trucs à aller récupérer, donc la base à fouiller là-bas. Bon, ça, je vais le faire en off. Ouais, c'est pas passé loin. Alors ça, ça a tenu, bizarrement.
C'est ici qu'il y a sûrement eu plein d'explosions. Je regarde de l'autre côté s'il n'y en a pas qui a roulé, mais non. Et donc, voilà. Alors, ça a tenu aussi. C'est rigolo. Tant mieux. Ça m'a bien aidé. Mais on voit que sinon. Et alors, comment ils ont détruit là? Ah oui, en passant par là, d'accord. Ils étaient en train de tout péter là, à un moment. Bon, bah, en tout cas, on va se laisser sur cette victoire à la Pyrrhus. Une victoire qui nous pousse à réviser nos plans. Et à déménager la partie anti-horde. Mais c'était quand même prévisible. Moi, j'ai tenté le coup, hein. Faut du panache pour faire ça. Beaucoup de panache. Et puis donc, ouais, la prochaine fois, on avise, on voit où on peut s'installer pour la base anti-horde. Et comme ça me permettra, moi, d'enlever ces cochonneries pour garder mon dragon intact. Et faire que cette entrée-là, ça soit une entrée anti-crieuse. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous très bientôt. Allez, salut!